AAA credits are right. Hang up the phone and let your heart break on the interlay. 24 twice. She's on the phone, but she's staying on Wilshire Boulevard. Old dreams, dying heart. He wants you to return his love. Breathing in the dark. Et bonjour à tous, c'est Léa et Antoine pour Hello Superette. Cette semaine, on se retrouve pour vous apprendre à coudre un nœud papillon classique. Et ouais, il y en a pas mal d'entre vous qui nous ont conseillé de coudre du wax parce que c'est pas mal tendance en ce moment. On avait grave envie de faire une jupe ou un pantalon avec, un truc bien bold, tout ça. Mais on a fini par faire un nœud papillon parce que c'était carrément plus rapide et plus simple. Le wax qu'on a utilisé, c'est un wax que Axel nous a donné, une amie à nous. Axel qui a posé dans la vidéo du Carago, si vous vous souvenez. Et le tissu était originaire de Hollande. Et une abonnée avec qui on a parlé nous a dit que le wax de bonne qualité était généralement fabriqué en Hollande. Et du coup, on était plutôt contents. Ça va être une semaine assez riche parce que non seulement on vous explique comment coudre un nœud papillon classique, mais on va aussi vous donner un patron PDF de nœud papillon à télécharger. C'est un patron en deux parties. Il y a la partie nœud et la partie colle qui a découpé à la taille de votre tour de cou. Et en plus de ça, on vous explique à la fin de la vidéo comment nouer vous-même votre nœud papillon classique. Parce que si vous l'avez jamais fait, vous pouvez pas le deviner. On fait des gros bisous à Mohamed qui a posé pour nous dans la vidéo. On est allé filmer cette intro dans un ancien garage abandonné. C'était plutôt stylé et un petit peu dangereux peut-être aussi. Il y avait Margot et Charline qui étaient présentes pour le tournage pour nous aider. On leur fait des gros bisous aussi. Et ça devrait être à peu près tout pour cette intro, alors on vous laisse avec le tuto. Pour réaliser ce nœud papillon, il vous faudra un petit peu de tissu. Nous, on a utilisé du wax, du thermocollant si votre tissu est un peu fin pour lui donner un petit peu plus de tenue. Un patron, on en a dessiné un et vous pouvez le télécharger gratuitement, on vous laisse le lien dans la description, et c'est à peu près tout. Une fois que vous avez découpé le patron à la bonne taille, vous venez assembler les deux parties ensemble. Et si vous avez une bonne longueur de tissu, vous pouvez plier votre tissu en deux et placer le bord de votre patron contre la pliure de votre tissu. Et du coup, il vous restera plus qu'à en découper deux comme ça. Ou alors, si vous utilisez des chutes ou des petits coupons de tissu, il va falloir venir découper quatre morceaux de patron. Et comme c'est ce qui est le plus relou, c'est cette méthode qu'on va vous montrer. On a voulu s'emmerder à faire correspondre le motif géométrique de notre wax pour que ce soit complètement symétrique, mais vous n'êtes pas obligé de vous prendre la tête avec les raccords. Si jamais on vous dit quoi que ce soit, vous n'aurez qu'à dire à tout le monde que c'est un parti pris artistique. Donc, on place notre patron sur notre tissu plié en deux pour en découper deux en même temps. On découpe tout autour et on laisse 1 cm de valeur de couture au bout, du côté où c'est tout droit, pas du côté où il y a les vagues. On répète l'opération une fois pour en avoir 4. Si vous pouvez pas plier votre tissu en deux parce que c'est des chutes et que c'est chiant, vous le découpez 4 fois à la suite pour être sûr d'avoir assez de tissu. Et vous venez découper 2 morceaux de patron dans le thermocollant parce qu'on va thermocoller seulement 2 pièces du nœud papillon. Si jamais vous avez découpé au pli, vous découpez qu'une seule pièce dans le thermocollant. Une fois qu'on a posé le thermo au fer à repasser, on vient assembler les pièces deux par deux, endroit contre endroit, là où on avait laissé 1 cm de valeur de couture. Et hop, on vient ouvrir la couture au fer à repasser et on pose les deux morceaux endroit contre endroit. Et on va venir assembler tout le tour en partant du milieu à 1 cm en laissant une petite ouverture pour pouvoir le retourner plus tard. On fait correspondre les coutures et on vient épingler que le milieu et on coud tout autour et on s'applique toujours à 1 cm du bord. Quand on arrive dans un angle, on laisse l'aiguille dans le tissu, on lève le pied et on pivote l'ouvrage, on rabaisse le pied et on continue. Et vous devriez avoir ça à faire seulement 4 fois. Une fois arrivé au point de départ, on n'oublie pas de s'arrêter un petit peu avant pour pouvoir retourner l'ouvrage plus tard. Mais avant de venir le retourner, on va venir cranter les angles et les petites courbes. On donne des petits coups de ciseaux dans les courbes qui partent vers l'intérieur. Et on taille des petits triangles sur les courbes qui partent vers l'extérieur. Vous pouvez tout aussi bien redécouper vos valeurs de couture à 0,5 mm, mais nous on a préféré cranter.
On est venu retourner le tout à l'aide d'une cuillère en bois. Et d'une petite épingle pour faire des angles très très propres. Et on vient consciencieusement repasser notre ouvrage au fer à repasser. Et c'est à cette étape-là que ça va devenir super stylé. Vous allez voir, le nœud, il va prendre la gueule d'un vrai nœud papillon. Et ça fait super plaisir. On vient finir en refermant l'ouverture qu'il y a au milieu du col, en faisant quelques points nervures à la machine. Et on vous explique tout de suite comment nouer vous-même votre nœud comme une star de cinéma. Alors vous mettez votre nœud autour du cou et vous faites un nœud normal. Le bout qui sort naturellement vers le haut, vous le mettez pour l'instant sur votre épaule. Ensuite, le bout qui tombe, vous allez venir le plier devant vous, de manière à ce que ça forme une sorte de nœud précaire. C'est ça la base de votre nœud, quoi. Vous le tenez avec une main et vous rabattez le pan qui est resté sur l'épaule vers le bas. Et attention, c'est la partie la plus technique, il va falloir faire passer ce pan derrière, dans la petite ouverture qui s'est formée derrière la base de votre nœud, on vient l'enfiler dans le petit trou, et il faut faire attention de l'enfiler du côté où il y a déjà une boucle sur votre nœud de base. En gros, il faut venir faire rentrer le pan du nœud qu'on vient de rabattre, en commençant par la partie la plus proche du nœud. Ça fait un petit peu flipper parce que pendant cette étape, on a l'impression que tout se fait la malle, mais vous allez voir qu'en tirant, on forme la deuxième boucle. Et ensuite, il suffit de serrer le nœud, de réajuster, et on obtient un nœud papillon de grosse star hollywoodienne. Notre conseil, c'est de le laisser un petit peu messy, un petit peu à l'arrache, comme ça tout le monde saura que vous avez noué votre nœud papillon vous-même, et vous pourrez grave vous la péter. On espère que vous avez appris à coudre un nœud papillon classique, et on ose même espérer que vous avez appris à le nouer vous-même. Si vous voulez apprendre à coudre un short avec des poches italiennes, vous pouvez cliquer ici. Si vous êtes de petites fouines, vous pouvez nous suivre sur Instagram pour savoir ce qu'on vous prépare dans nos prochaines vidéos. Pensez à nous envoyer des photos sur Facebook, on adore voir ce que vous faites, vous nous régalez. N'oubliez pas de vous abonner et nous on vous dit à la semaine prochaine.